Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que la Chine et la Corée du Sud avaient convenu de coopérer dans un large éventail de domaines, notamment sur la phase 2 d'un accord de libre-échange et dans la lutte contre la pandémie. Cette coopération fait partie d'un consensus en 10 points atteint entre les deux pays lors de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères à Séoul. Wang Yi s'est entretenu jeudi avec son homologue sud-coréenne Kang Yong-hwa. Il a également rencontré le président Moon Jae-in. Wang Yi a déclaré que Beijing était disposé à travailler avec Séoul pour négocier un accord de libre-échange entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le président Moon a déclaré que son pays était impatient de coopérer avec la Chine sur une série de questions, notamment le changement climatique.